Pascal Boniface n'a jamais été atlantiste, donc c'est pas douloureux pour lui d'avoir à décrire tout ça, mais je trouve qu'il le fait de façon très honnête, rigoureuse, intéressante, et que sur les épisodes historiques, dans la longue durée, mais aussi depuis 20 ans, les occasions manquées, ce qu'il dit est très juste. Je pense que c'est une des grandes qualités de ce livre que je ne peux que recommander à qui s'intéresse aux questions de politique internationale, de relations internationales et de sécurité internationale de nos jours. Je crois comme lui que, à travers le constat qu'il fait, qui est un constat très lucide, très rigoureux, très courageux aussi, parce qu'il dit les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. L'intérêt du livre de Pascal Boniface, Requiem pour le monde occidental, c'est que, à ma connaissance, c'est la première synthèse de tous les événements qui font qu'un certain nombre de structures, à la fois mentales et institutionnelles, héritées de la guerre froide, ne sont plus valides. Mais je dois dire que ce qui fait son intérêt, c'est que d'abord, il fait très, très rapidement, très brillamment un panorama, et qu'on est entraîné par la force de démonstration de Pascal Boniface. Le livre de Pascal Boniface ouvre un débat que l'on a trop longtemps occulté. Je pense notamment que sa critique du campisme, de ce que l'on appelle maintenant le campisme, c'est-à-dire cette vision d'un monde qui irrémédiablement serait formé de camps qui s'opposent, est une critique bienvenue, fondée. Le livre de Pascal Boniface présente un réel intérêt, c'est celui de poser la question aux Européens de la manière dont, dans l'avenir, ils entendent être perçus dans le monde. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour l'intelligence de Pascal Boniface. Et son dernier livre me confirme dans cette appréciation. C'est une réflexion extrêmement percutante et parfois très dure sur les relations transatlantiques, c'est-à-dire l'Occident pris au sens étroit des relations entre l'Europe et les États-Unis, et en particulier des relations stratégiques au sein de l'OTAN. Je suis content qu'il l'ait écrit, je suis content qu'il paraisse, et je pense qu'il va ouvrir une fois de plus une polémique, parce qu'assez souvent, soit de bonne foi, soit de mauvaise foi, ces prises de position sont combattues par des gens qui souvent ne comprennent rien au fond de l'affaire.